salut à tous et à tous, c'est Alexandre Racioli. Oulala, Alexandre Racioli, aujourd'hui on se retrouve sur Devil May Cry 4. On est à 3 quarts de l'histoire. Aujourd'hui on va faire 2 missions. Ouais, 2 missions. Je pense qu'on va pouvoir faire 2 missions en un épisode. Ça dépendra si ça prend plus de 30 minutes, on verra. Ça dépend de tout ça parce que je sais pas trop, on verra bien. Bon, bref, c'est parti, on va pas trop parler, on va direct enchaîner sur la story. Hein, ok. Allez, à tout de suite. Bon, on va prendre une petite tenue. Non, pas de tenue. Il est plus beau gosse sans sa tenue. Alors, pas de première cinématique. Mission 15 au château de Fortuna. Exterminer les protecteurs de la poudre. Ouais, donc on va faire retour en arrière tout le temps. Ça va être relou. Ça va chaque épée. J'aime bien. Rebellion. On va faire les styles, on va les augmenter encore, je pense. On est qu'au niveau 2, mais on pue la mer! Bon, ouais, on va acheter les trucs les plus gros, hein, ce qu'on utilise le plus, sinon ça sert à rien. C'est parti! On va arrêter de piailler, on va jouer un petit peu, parce que ça fait déjà une minute qu'on me dit de la merde, hein? 1 minute 30. Génial! Ouais, donc ça, on a l'habitude, on connaît le passage. Que Slinger, hop, ça va calmer tout le monde. Est-ce que ça, on le fait? Comment ça, le fait? On le fait pas. On le fait pas. Surtout que Dante, j'ai du mal à l'utiliser, je sais pas pourquoi. Un perso que. Qui me compte. Non, j'ai rien à dire, je suis un connard. Qui me rend la tâche assez difficile parce que j'ai il a plusieurs styles, plusieurs moves. Merde, j'ai coupé la suite. Je sais pas, par contre. J'ai un pistolet. Je vais pas paraître trop bon. Ah, voilà. Bon, ça j'ai l'habitude de voir vous battre ce mot. Il est assez relou. Je vais changer d'arme. Pas du tout, sinon. Il est assez horrible. Oh 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 oh. Voilà. Allez, meurs! 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 Bon, sinon, c'est assez chiant à battre en général, surtout dans les compliqués. Mais là, ça va. C'est pas trop chiant. Je suis dégoûté, j'ai coupé la cinématique, je l'avais jamais vu en plus, moi. Je m'attendais pas. Je suis désolé. Mais bon, ça devait pas être un truc. Très bien, génial, la tâche est entièrement développée par Armure de Glace. Il faut derrière sa source. Très bien. Donc bon, j'imagine qu'on va passer par en bas. Hein. Ouais, là-haut. Là, ok, parfait, bah, c'est par là. On va partir dans cette base, ça va. C'est pas ça normal. Hop. Oula. On coupe pas les cinématiques maintenant, ok. En l'air,
Dédit. Bien. Oh oui. Il peut pas mourir. C'est vraiment lance perso, j'ai du mal, je vous jure. Pas en perso, enfin d'habitude c'est mon perso favori dans les DLC, c'est le petit normalement. Et là, je t'avoue que avoir du mal. Vraiment du mal, ouais. Hop, c'est parti. Oula, c'est un gain. Okay. Voilà. Très bien. Il bouge tout. C'est génial dans ce jeu. Salle à manger. C'est une drôle de salle à manger que t'as, mon gars. J'avais pas remarqué au début, je me mais ça, si c'est une salle à manger, mon couloir, c'est une salle à manger. Tu t'envahis trop là, mon gars. Alors cette arme. Oh, pas mal. Ça va faire un bon combo avec Dante. Oh, je t'ai dit quoi? Tu veux me mourir? Tu veux pas aller par là? Oh, le combo de folie. Oh, oh, il y a un effet de combo tombé dessus. Je l'avais dit. Putain, je l'avais dit. M'écoute pas. En fait, ils ont appelé ça la salle à manger alors qu'il y a un grand couloir juste avant. Bref, n'importe quoi. Bon, oui. Comment ça? Ah, on est des têtes, on change tout le temps d'arrêt. Ouais, j'ai vraiment du mal avec Dante de jouer, hein. Là, j'ai réussi à faire un petit joli place, là, c'était sympa, mais bon, c'est pas useless, comme on pourrait. Je déteste, voilà, je ne fais jamais de dégâts, alors quand même. Ah, je voulais plus rien. Je le dis tout de suite, moi. Bon, un petit S, c'était sympa le move, mais bon, bon, c'était pas... pas trop d'action, quoi, on va dire. Oh, tu veux pas rentrer là-dedans? Y'a un problème, toi, tiens. C'est plus court comme ça. Hop, ça, c'est ok. Ah, mais on a coupé le combo. Oh. Ah merde, c'était pas ça. Oula, j'ai cru qu'on monterait jamais là-haut.
que coucou la salle. Oh non. Je veux pas arrêter de me faire chier toi. Oh, comme c'était chaud! Oh, 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 oh. C'était limite là, c'était limite. Ouais, bah c'est pas évident de trouver les endroits là. Hein. Pas faire les maps à l'inverse, les jeux quand ils sont faits comme ça je déteste. Alors pour finir notre quête, vous devez retourner en arrière, faire 50 pas en avant, refaire ce que vous avez déjà fait, battre les boss que vous avez déjà tués, et puis la mission sera achevée. Ah ça c'est bien relou. On va dire qu'ils sont pas trop foulés pour faire celui-là. Tu fais un aller-retour avec un perso pilote et puis hop, c'est fait. Bon, moi je critique pas Capcom parce que c'est une bonne entreprise quand même, mais bon. Ouais, je suis pas très grand, bon, j'ai critiqué certes. Bon, ça va pas bouger, ça va faire un peu dans le jeu, ça va être un peu dans le Oh man.
wasn't kidding. It's like an all-you-can-eat buffet. Mais complètement cheaté, on en a parlé. Oh, trop bien. On va voir ça dans la prochaine partie. Putain, on avance bien là dans ce let's play là, c'est plutôt cool. On commence à avoir des armes complètement craquées par contre. Oula. On va affronter qui encore? Already. Ça, ça a pas l'air fun. Nous sommes les Girolames pour obtenir un pouvoir animé crédible. Comment me faire quoi? What? Je comprends pas tout là. Ça suffit là maintenant, la fini, ne me faire chier avec tes monstres.
C'est chaud. Par contre, je sais pas c'est quoi la barre violette derrière au milieu de la barre de vie là, c'est chelou. Je me demande ce que c'est. Je pense que ça doit être avec la boîte là. Une sorte de valise là. Ça doit être comme de Virgil, il faut la charger et tout. Ça doit être trop haut, n'empêche. Qu'est-ce qu'il a fait? J'adore cette arme. Et il pouvait pas couper le dé avant l'autre. Hein? Niveau, il pouvait pas le faire ça. Pas de boss là, du coup. Laissez-moi ouvrir ma boîte. D'armes dans le jeu. Oh mon dieu! Un truc là-bas. Faudrait que j'essaye. Mais pas avec ce perso. Ça m'est pas arrivé, non? S'il te plaît. C'est tout. Et avec ça. Ils m'ont fait arrêter pour deux mecs quand même. Pas le droit l'argent qui est là. Ah que coucou. J'arrive avec ma valise pour les vacances. Je vais te mettre au courant de la fin.
Magnifique combo, jamais fait mieux. La première fois que je fais un bon trick avec la... Dante. Ouais, le gaz par lui, si je peux, je peux pas. On va voir un peu de dé, c'est génial, on l'a fait déjà. Non mais... Il n'y avait pas plus haut le prochain coup? Ça ramène où déjà? Même pas en dessous ça? Même pas là où on est arrivé dans le tableau. Il semblerait que c'est ça, hein. Ouais, c'est ça. On se souvient. Et là, on va arriver devant le tableau de l'autre taré, là. Ah, il n'y a plus la glace. C'est sous ta barrière de glace magique à fond. Oh, trop bien, on peut quitter le château. Ah, je pensais qu'on pouvait se barrer comme ça. Oh, ça fait pas beaucoup de dégâts. On va tous les défoncer là. Bon, on prend le pistolet. C'est Lulu. On a éliminé la petite cochon. Petit cochon, mais qu'est-ce que je dis, moi? Hop. 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 Putain, c'est pas foiré sur un saut, quoi. Oh mon dieu, perfection. Elle est super tranquille. C'est chaud, il faut faire ça. Oui. Avec le roquette là, à moins faudrait peut-être l'améliorer. Je sais pas si on peut l'améliorer cette arme. Ah, j'ai jamais su si vous pouvez améliorer les armes à feu. Peut-être les améliorer ces petites armes à feu là. Oula, ouais, je me souviens, c'était pas le fun. Salut, pas de monstre, très bien. Au revoir. You don't say.
Wish you would have noticed me earlier. Now my coat's all charred. The infamous son of Sparta. I will avenge my compatriots slain by your sword. Salut toi. Ah, par contre, ouais. You surpass my abilities. How shameful. You can stay and die. Or you can walk your ugly ass back through that gate. It's your call, pal. I've retreated once and will not do so again. That's a letdown. I was hoping for a bit more than just a few sparks. So big from where I'm standing. Now it's just you and me, Mr. Savior. Lucifer. Alors là, on a une arme de qualité là, je vous le dis. On dirait Virgil un peu. Oh mon dieu! Oh joli, c'est pas mal comme épée pour enfin, comme arme pour être stylé. Moi en tout cas je pense que cette vidéo j'en serais terminée là, hein, je pense que ça veut dire tout de suite, voilà. Moi en tout cas j'aurais passé un très bon épisode je sais plus. C'était un super bon épisode, on a gagné 2 armes, on va être complètement craqué. Pour affronter la méga statue là du génie là. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, moi pas de nuit. Vous pouvez activer un petit commentaire et vous abonner. Dites-moi si je peux continuer cette série, si ça vous plaît toujours autant. Moi je vous kiffe, on est bientôt de ça, on est les PGM. Allez, à très bientôt, ciao ciao, bye bye.